Ouais ouais, y'en a trop qui veulent jouer les mecs d'art. Mais y'en a pas beaucoup. Crois-moi, je vais te raconter une histoire. Celle d'un mec furieux. T'as sûrement dû le connaître. Écoute, il était froid. La haine l'envahissait. Le regard glacé, il fixait tout droit. Le genre de mec à qui on veut pas se frotter. Un nerveux, un dangereux de la gâchette. Sans pitié, le genre de mec on achète pas, hein, si facilement que tu le crois. Non, mais non, celui-là y'en avait qu'un seul. Mais un seul comme lui, c'était déjà trop. La haine, la rage, il en était accro. De nombreuses violences et plusieurs braquos. De nombreuses condamnations derrière les barreaux. Une vie triste, douloureuse et hardcore. Fusil à la main, il en mettait d'accord. Tous les jours, des débats sont sujets. La terre entière était son QG. Rusé, il était mais il abusait. De violence, il se faisait accuser. La gloire ou l'argent, qu'est-ce qu'il est motivé. Mais même la police réfléchissait à deux fois avant de lui parler ou de faire quoi que ce soit. D'envisager de l'emmener au commissariat. De peur que ce mec s'en prenne à leur famille. Seul, il se faisait beaucoup d'ennemis. Risquait à chaque instant de se faire plomber. De succomber parce qu'il aimait flamber. Dans la rue ou même en soirée. Là où il mettait les pieds s'enfoirer. S'attirer dans tous les sens, s'empirer. Y'a rien à dire, ce mec était flippant. Avec une vie comme celle-ci, tu vis pas longtemps. Dilas, est-ce que tu vois ce que je veux te dire? Est-ce que tu vois de quel mec je peux te parler? Ouais, toxique, je me rappelle du temps Tchéka. À l'époque, il aimait les grosses bagarres. Quand ça tirait dans le Tchéka. Quand il avait fait du genre. Toujours avec un air de vénère. Il aimait passer à fond en CPR. Son premier séjour au Star l'endurci. Trop de mitard, donc plus de soucis. À sa sortie, il reprend ses activités. La postiche, les braquages de mecs de cité. Jamais en bande, il aimait faire le you-voix. Les choiras de turvois. Les courses poursuites dans la ville avec les keufs. À son ordre, il avait même quelques meufs. Un mec qui pèse et respecté par tout le monde. Macro 6, gros hey, tout le monde. Toxique. Je me rappelle de ce gars, de tout ce qu'il a fait. Qui peut oublier ce gars si violent? Personne ne le sous-estimait. Tellement d'antécédents, c'était sa destinée. Je me souviens des gros boulis qu'il ramenait. Dans le Tchéka, même Trika. Il en avait rien à foutre. De la loi et des juges, rien à foutre. C'était le chaudard de la cité. Il était connu dans plusieurs cités. Beaucoup de mecs rêvaient de lui faire la peau. À cause de rodka, de feu, chenou et de bédo. Au bout du compte, c'est bien ce qui est arrivé. Rappelle-toi comment il s'est fait fumer. Ouais, jusqu'à la mort il a assumé. Ouais, jusqu'à la mort il a assumé. Je me rappelle bien comment il s'est fait tuer. C'était trop violent, tout le monde est resté muet. T'as raison, personne n'a osé bouger. Il était seul face à ses meurtriers. Une scène atroce s'est déroulée sous leurs yeux. Personne n'a parlé sous prétexte qu'il était dangereux. Un corps criblé de balles allongées par terre. La mort d'un caïd de cité qu'on enterre. Comme quoi, chaque chose a une fin. De l'animal, de l'objet à l'être humain. On vit, on meurt, on n'y peut rien, c'est le destin. Faut pas jouer le bouffe ou t'accélères le processus. Tu vas en test, un mien toujours plus fou que toi. On en a rien à foutre, nous on dit ça pour toi. Et je te précise qu'ici bas, on ne vit qu'une fois. Fais pas n'importe quoi mec, on vit qu'une fois. Ok, hein. Tu veux savoir de qui on te parle? Y'a pas de mec d'art ici. C'est un mec imaginaire, cherche pas à savoir c'est qui mec. Ok. Ciao. T'as saisi la leçon? C'est personne. Crois pas tout ce qu'on te raconte. Ok.